m'appelle Cécile Périche, je suis responsable d'ACLAB, qui sont les ateliers d'innovation architecturale de l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. Le rôle des responsables de l'atelier, c'est tout d'abord d'assurer l'entretien de l'atelier, des machines, mais c'est surtout en fait d'accompagner les étudiants. Donc on va avoir une première partie de formation en ligne, et petit à petit, on va accompagner les étudiants, les enseignants ou n'importe quel utilisateur à utiliser les machines en toute sécurité et avoir les bons gestes. On fait aussi énormément de travail de prévention, prévention des risques liés à toutes les machines qu'on peut avoir dans l'atelier, que ce soit les scies, les découpeuses laser, puisqu'on a des risques spécifiques à chaque fois. Et enfin, le troisième rôle, et non des moindres, c'est celui d'accompagnateur sur toutes les réalisations. On a un rôle de conseil, et d'assistance pour la réalisation des maquettes et des prototypes qui sont faits dans l'atelier. On va trouver trois types d'outils et de machines à ACLAB. Donc on va avoir les outils numériques, on a des découpeuses laser, on a des imprimantes 3D à des poses de fil, on va aussi avoir un scanner 3D grand format et une découpeuse vinyle. Dans quelques temps, on aura aussi une défonceuse numérique. Ensuite, on a tout ce qui est machine fixe, donc des outils bois qui sont des scies à ruban, des scies circulaires, etc. On a les outils électroportatifs et il y a aussi tous les outils manuels. Donc ça permet d'avoir un panel assez complet des différents outils qui peuvent permettre de faire des maquettes ou des petits prototypes. L'accès à l'atelier est entièrement gratuit pour les utilisateurs. Les étudiants ne payent pas l'utilisation des machines. Tout ce qui reste à leur charge, c'est d'amener les matériaux. Donc c'est eux qui vont amener leur carton, leur colle, la peinture, etc. Tout ce qu'ils veulent utiliser comme matériel, ils vont vraiment l'apporter ou alors faire de la récupération, puisqu'on a mis en place un système de dons, ce qui fait que les étudiants en fin de cursus ou ceux qui vont avoir du matériel un petit peu en trop vont pouvoir le laisser à l'atelier et ça va permettre à d'autres d'expérimenter sur des petites chutes de maquettes ou de récupérer du matériel pour pouvoir faire leurs premiers essais. L'atelier est là pour assurer le continuum conception-fabrication. Ça leur permet aussi de mettre la main dans la matière, donc d'arriver à toucher les matériaux, à se rendre compte réellement si les procédés constructifs qu'ils prévoient, qu'ils mettent en place sont viables, à vérifier que les volumes qu'ils ont imaginés à plat, entre guillemets, une fois montés en volume, correspondent bien à ce qu'ils imaginaient et qu'ils arrivent au but qu'ils se sont fixés.